Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo bilan. Et on se retrouve pour faire le bilan de la troisième semaine du mois de mars. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que le mois de mars passe hyper vite. Il y en a plein qui ont dit, vu que c'était un mois à 5 semaines, que ça allait être très très long. Bah en fait moi je trouve pas, je trouve que c'est super rapide, on est déjà à la troisième semaine. Après il faut dire que je travaille beaucoup en ce moment, donc forcément les jours je les vois pas passer. Voilà, ça passe trop vite quand on est occupé, donc ouais, on est déjà à la troisième semaine du mois de mars. Donc là aujourd'hui nous sommes le vendredi 17, donc je vous tourne la vidéo le matin que je vous aurai le soir comme d'habitude. Vu qu'aujourd'hui je commence à 13h, donc j'ai le temps de vous la faire ce matin. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez fait également des économies. Nous ça va, ça a été au niveau économie, alimentation, il faut savoir que c'était le budget à 100 €. Et je pense qu'à partir du mois prochain, je vais essayer de vraiment faire 120 € chaque semaine. Parce que je trouve que 100 € c'est vraiment très juste. Enfin, on va voir tout ça ensemble. Je regarde au fur et à mesure si je suis dans le cadre. Puisque la dernière vidéo que j'ai faite, Luna était dans mes bras et du coup j'ai vu que j'avais descendu mes classeurs. Donc je suis désolée pour le cadrage de la dernière fois. On va commencer tout d'abord par des nouveautés. J'ai fait un défi Pâques parce que je me suis dit que Pâques allait très vite arriver et c'était le moment de mettre de côté pour faire Pâques. Donc voilà, j'ai créé ça sur Canva. D'ailleurs, en parlant de Canva, je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup la chaîne Nini au budget. Elle m'a beaucoup aidée pour le format de mes fiches parce que j'y arrivais pas du tout. J'ai essayé plusieurs fois de changer les dimensions, etc. Et ça sortait jamais comme je voulais. Elle m'a fait un tuto privé et tout sur YouTube. J'étais trop contente. Et depuis, ben j'arrive à bien imprimer mes formats. Alors, format A5 et A6, puisque c'est ce que j'utilise beaucoup. Alors, c'est pas forcément du A5, mais déjà, c'est beaucoup plus grand que ce que j'imprimais. Donc, que ce soit un A5 ou A6, je te remercie énormément si tu passes par là. Grâce à toi, j'arrive à faire mes fiches comme j'avais envie. Voilà. Sur ce, j'ai fait ce défi pack. Donc, j'espère que vous le voyez bien. Donc, voilà, j'ai créé ça sur Canva. J'ai fait un défi de 50 €. Donc, j'ai mis des petites sommes ici sur chaque dessin. Donc, ça va de 3,50 à 12 €. Voilà, pour faire 50 €. Et j'ai également fait exactement le même, mais pour un budget de 100 €. Puisqu'il y en a, ils vont acheter sûrement de la décoration. Moi, personnellement, je vais faire celui de 50 €. Puisque moi, en termes de déco, je ne fais jamais. Mais après, pour mes neveux et nièces, j'aime bien leur acheter du chocolat, faire la cachette. Enfin, la cachette. Faire cacher les chocolats, etc. Donc, 50 €, ça m'ira très, très bien. Donc, j'ai exactement fait le même, sauf que j'ai changé les sommes, tout simplement. Donc, les sommes vont de 7 € à 20 €. Voilà. Donc, pour ceux qui fêtent Pâques avec beaucoup d'enfants, etc. Donc, c'est bien d'avoir des petits défis comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai créé pour les nouveaux défis. Et ensuite, au niveau des épargnes, j'ai fait mes enveloppes qui me manquaient. Donc, j'ai refait l'enveloppe anniversaire. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais juste des trackers. Donc, moi, j'ai fait anniversaire. Donc, voilà, j'ai fait comme ceci. Vous voyez, en format A5, moi, ça sort comme ça. Donc, je suis obligée de mettre un fond à chaque fois. Bon, après, ça fait joli, j'aime bien. Hein. Mais voilà, en format A5, ça sort comme ça. Donc, j'ai également fait avec le tracker. Ensuite, j'ai fait celui des animaux. Voilà, celui de la voiture. Avec le tracker, celui des enfants. Là, on a gardé santé. J'ai rajouté retraite, puisque j'avais fait, à début mars, j'avais mis de l'épargne dans la retraite. Donc, il fallait absolument que je fasse mon enveloppe. Et j'ai également fait mon enveloppe YouTube. D'ailleurs, je vous remercie énormément, puisqu'en fait, les 10 €, ça venait de l'enveloppe YouTube. Vous êtes plusieurs à me l'avoir dit. J'ai recontrôlé, exact. En fait, je comptais à chaque fois 100 € alors que c'était 110 € à mettre dans YouTube. Donc voilà, j'ai fait mon enveloppe YouTube avec le tracker. Après, tout le reste, ce sont les mêmes. Mais je me tâte à les refaire pour que ce soit identique, on va dire, pour pas que ce soit trop dépareillé. Et en plus, j'aimerais enlever les enveloppes transparentes, puisque à chaque fois que j'ai fait mes enveloppes, je les ai fait directement ouvertes. Voilà. Donc, les épargnes et les fameux défis sont disponibles dans mon drive. N'hésitez pas à les voir en barre d'infos. Ils sont disponibles dans mon drive. Après, vous pouvez les imprimer en format que vous souhaitez. Voilà. Allez, fini pour la nouveauté. On va venir voir ce qui s'est passé dans la semaine numéro 3. Donc, on va se mettre à la page. J'ai mis un crayon comme ça m'évite de chercher à chaque fois. Au niveau du compte, écoutez, là pour l'instant, il me reste 346 €. Alors, c'était pas du tout ce que j'avais prévu.
Normalement, il devait me rester 200, ben moins de 300, mais je comprends pas, j'ai plus. Bon, écoutez, hein, j'ai envie de vous le dire, voilà. Et au niveau des prélèvements, j'ai pratiquement tout qui est passé. Alors, les cotisations sont passées hier, donc je ne les ai pas notées. Il faudra que je vienne les noter. Et il restera les téléphones. Voilà, donc après, tout le reste est passé. Et voilà, sur le compte, je suis toujours dans le vert. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, pour le suivi du compte bancaire, on va venir se mettre à la page des économies et venir tout simplement voir ce qu'on a économisé. Alors, j'ai Pompon qui est bien évidemment assis là où il ne faut pas. Voilà. J'ai ici de la monnaie. Alors, j'ai 2, 3, 4, 5, 6. Je les ai retrouvés dans mon portefeuille puisque, vous savez, j'ai changé mon portefeuille. Et en fait, j'avais pas tout vidé. Je pensais que j'avais tout vidé et il me restait 6 euros. Donc, j'ai 6 euros en plus dans les économies et ça, c'est plutôt cool. J'ai également acheté un classeur à 6 comme ça, sur AliExpress, que je recevrai prochainement, pour remplacer en fait celui-ci. Comme ça, j'aurai les deux mêmes. Et celui-ci, il remplacera celui des défis où je mets la monnaie. Voilà. Mais ça, je vous le montrerai quand je recevrai le matériel. Donc, c'est parti. On va se mettre ici pour pouvoir remplir en même temps. J'espère que vous voyez bien. Je vais regarder au fur et à mesure parce que sinon... Alors, en alimentation... Hop là. En alimentation, on a fait quelques économies. Donc, comme je vous ai dit, on avait un budget de 100 euros. Donc, il nous reste 10, 15 et de la monnaie. Je vais faire comme ça. C'est vrai que je vois les youtubeuses faire ça et moi, je galère avec mes mains. Alors, 2, 4, hop là, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Alors, attendez, je vais noter ici, comme ça, ça m'évitera. Donc là, on a dit, on a 15. Plus, bah du coup, je vais compter cela. 2, 3, 4, 5, 6. Plus, on a dit, 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 8, 9. 7,90 €. Plus, hop, voilà. Donc là, on va venir remplir pour la semaine numéro 4, qui est de 120 euros. Alors, 100 et 120. Donc là, normalement, il nous reste 100 euros pour la dernière semaine. Hop, j'espère qu'elle sera pas trop... qu'on dépensera pas trop en économie parce que c'est la dernière semaine. On verra. Oula, j'ai bien fait le trait. Alors, par contre, c'était pas le bon stylo, mais c'est pas grave. Donc, 120 euros pour cette semaine. Donc, comme d'hab, je suis allée chez Leclerc où je vous ai fait un petit retour de course également. J'ai pas fait beaucoup d'achats puisque j'avais déjà énormément fait la semaine d'avant. Et j'ai quand même eu pas mal de promotions, donc je suis plutôt contente. Et ma carte Leclerc a encore une fois augmenté en cagnotte, donc je suis trop contente. Je vais enlever Pompon parce que du coup, il m'enlève de la lumière. Voilà, il va remonter, hein. Attends, Pompon. Donc en alimentation, c'est bon. Ensuite, au niveau des animaux, il me reste pas grand-chose, puisque j'avais un budget de 10 euros et j'ai racheté tout ce qui est croquettes, pâtés, etc. Donc il me reste... Hop, j'ai un petit 2 centimes... Il me reste 2,40 €. Donc, plus 2,40 €. Voilà. Ça, je les mettrai à la fin dans ma monnaie. On va venir remplir pour la semaine numéro 4 qui est de 20 euros. Hop. Donc, 20 euros. Je vais pouvoir acheter du pâté pour Pompon puisqu'il a fini. Ça y est, il a fini le gros carton de Félix. Là, vous savez que j'avais acheté chez Aldi. Donc, il en a eu pour plus d'un mois. Donc, c'était plutôt cool. J'avais économisé sur ça. Voilà, pour ça, entretien hygiène, il me reste hop, un billet de 5 et 70 centimes. Donc 5,70 €. Voilà. Hygiène, là, on est sur 20 euros. À voir si j'ai besoin de beaucoup de choses. Comme j'ai fait le plein de lessive, je vais voir si je vais faire peut-être le plein de... Enfin, le plein. Racheter du produit pour ma fille pour changer ses fesses. Je lui en ai acheté un hier, hein, mais au moins avec les 20 euros, je pense que je vais pouvoir en acheter deux au moins d'avance. Et pareil, entretien hygiène, si j'ai pas assez pour racheter des couches et qu'il me reste de l'argent dans cette enveloppe, j'irai chercher dans cette enveloppe. Voilà. Ensuite, divers est sorti, on n'a rien fait puisque j'ai bossé toute la semaine, on n'est pas sorti, donc il reste toujours les 40 euros. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter les... Hop, les 20 euros de la semaine d'après. Mon chéri, normalement, dimanche... Désolée si vous entendez ma fille, elle est dans son lit, elle gazouille. Dimanche, il va à la patinoire. Donc, normalement, je devrais lui donner 20 euros. Donc, il devrait peut-être y avoir... Oui, ma fille! Il devrait peut-être y avoir 20 euros qui bougera. On verra. Mais en tout cas, il reste 60 euros. Donc, si jamais on veut se faire un McDo ou quoi, on sait qu'on a l'argent dans l'enveloppe.
Mais après, là, mon chéri, je sais qu'il va à la patinoire parce que ça fait deux fois qu'il veut y aller. Et à chaque fois, ben, soit je bosse, soit on a un truc de prévu et du coup, il n'y va pas. Mais là, ce dimanche-là, je travaille le matin. Mais du coup, une fois que je reviens du travail, il partira et moi, je resterai avec les filles à la maison. Et avec Mia, on a prévu de faire une petite vidéo. Donc, je vous en parle pas plus et vous le saurez prochainement sur YouTube. Voilà. Ensuite, donc sortie d'hiver. J'ai pris dans la bonne enveloppe au moins ? Oui. Il reste bébé. Donc bébé, j'ai été chercher son lait. Donc j'avais un budget de 20 euros. Donc il reste 1,70 euros. Voilà. Donc on va venir chercher les 30 euros. Pour la troisième semaine. Je vais aller voir ma fille vite fait. Parce que des fois elle s'énerve parce qu'elle n'arrive pas à attraper son doudou. Donc bébé, 30 euros. Hop. Voilà, pour la troisième semaine. J'espère que j'aurai suffisamment assez pour la cinquième semaine parce que là, je me suis aperçue qu'elle avait besoin de 2 boîtes de lait par semaine. Elle mange vraiment beaucoup, cette enfant. Elle a commencé les petits pots, mais je trouve qu'elle mange énormément. Donc, je vais voir avec le pédiatre si je peux pas changer le lait et lui prendre un lait plus consistant parce que je trouve qu'elle mange quand même assez... qu'elle mange beaucoup de bibi alors qu'elle devrait déjà décaler ses heures. Donc, je comprends pas. Donc, je verrai avec le pédiatre et on verra ce que ça donne. Je reviens tout de suite. Donc du coup, je reviens, j'ai mis bébé dans sa balancelle à côté de moi, comme ça au moins elle sera à côté de moi s'il y a un problème. Elle veut pas faire dodo, mademoiselle. Tiens, donc si vous entendez des petits bruits, c'est normal. Oui, elle fait semblant de tousser, elle me fait trop... Et alors ? Bref, alors du coup bébé, comme je vous disais, j'ai rajouté les 30 euros. Ensuite, en monnaie, il me reste pas mal de monnaie, alors je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je vais garder 10 euros parce que j'ai enlevé 10 euros de l'enveloppe épargne voiture. Parce que je dois aller nettoyer ma voiture. Donc déjà les 10 euros, je vais les enlever. 2, 4, 6, 8 et 10. Ça, je les garde. Et je les remettrai dans ma monnaie en attendant que je vide le reste. Donc dans la monnaie, j'ai pas mal de monnaie. Donc pareil, c'est mon chéri quand il me rend sa petite monnaie. Hop, je le mets directement dedans. Ou alors quand je trouve de la monnaie quelque part, je la mets dedans aussi. Là, les 6 euros que j'ai trouvés dans mon portefeuille, ben, je les ai sortis direct parce que je les avais trouvés aujourd'hui. Donc, j'ai pas eu besoin de les mettre dans mon nez. Et là, j'ai beaucoup de pièces rouges. Il va falloir que je donne à la caisse. Hop. Est-ce que c'est bon? Oui, on est bon. Donc, du coup, en monnaie, il me reste 3, 4, 5, 6,30 €. Donc je vais rajouter 6,30 €. Mince. Ah, Pompon, il m'a touché la calculatrice. Je vais devoir tout recompter. Donc voilà, au niveau de la monnaie, il me reste que ça. Donc on va voir ce qu'on a, ce qui a bougé dans les enveloppes au moins. Et je viendrai faire le calcul hors caméra. Parce que du coup, ça va prendre trop de temps. Alors, au niveau de bébé, c'était bon. Au niveau de shopping, alors shopping, je suis allée chez Action lundi. Donc, je vous ai fait également un haul Action. J'en ai eu pour 41 euros, donc il me restait 39. J'ai enlevé 4 euros pour mettre... Ben, du coup, c'est les 4 euros qu'il y avait là-dedans. Pour rester à 35 euros. Donc, du coup, dans cette enveloppe, il me reste 35 euros pour finir le mois. Santé, ça n'a pas bougé. Mia, ça n'a pas bougé, mais ça risque de bouger puisqu'elle est invitée à un anniversaire. Donc, peut-être que j'achèterai le cadeau avec ses petits sous-sous. École, pareil, ça risque de bouger parce qu'elle a un petit pique-nique à la fin du mois. Donc, je risque d'utiliser ces 10 euros pour acheter tout ce qu'il faut pour les sandwichs, etc. Mon chéri, il a pris ses 10 euros. Du coup, il lui en reste 20. Le tabac, ça n'a pas bougé. Coiffeur, il n'y a plus rien puisqu'il est allé avant-hier, je crois, faire sa dernière prestation. Donc, j'espère que jusqu'à la fin du mois, il tiendra. Sinon, on viendra piocher dans tabac s'il a besoin d'y aller une autre fois. Achat internet, ce que je vous disais, j'ai fait une petite commande sur AliExpress de 25 euros. Donc, du coup, il me reste 45 euros et 30 centimes. Et l'essence, je n'ai pas fait de plein. Voilà, gain et banque, il n'y a rien. Voilà un petit peu pour les enveloppes au mois. Qui n'ont pas trop bougé, mis à part le shopping. Donc on va venir voir ce qu'on a fait dans les économies puisque Monsieur Pompon ben, a tout enlevé. Donc là on a 20 euros plus, je vais essayer de faire vite comme ça au moins vous voyez comment je calcule. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, on a pas mal de monnaie quand même, hein. 21, 22, 22, 22, 23, 2, 4,
6, 8, 10, 24, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ben 25 euros, tout pile. Hop, donc 25 et 20, ça fait 45, on est d'accord? 45 euros, tout pile? Non, il doit y avoir un problème. Ouais, c'est ça. 45 euros, tout rond. Bon, mais voilà. 45 euros, je suis trop contente. Désolée, hein, je suis un petit peu loin. Donc, 45 euros, tout rond. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool, cool, cool. Donc, 45 euros, ça, c'est les 10 euros qu'il faudra que je remette dans mon portefeuille. Sinon, je vais les utiliser. Donc, c'est parti. On va voir ce qu'on va remplir au niveau des défis. Alors, je me mets bien au centre. Au niveau des défis, ben on va voir ce qu'on va mettre dans le défi du mois de mars. Donc là, nous sommes le vendredi 8, 17. Donc du coup, on va voir ce qu'on va mettre. Donc on a le 11 à mettre le samedi. Donc c'est 3 euros plus le dimanche, on met rien, il me semble. Non. Le lundi, on met 1 euro plus mardi, 2 euros. Mercredi, 1,50. Jeudi... 2,50. Vendredi, 50 centimes. Et je pense que je vais rajouter le samedi. Comme ça, je barre le dimanche et on sera fini pour le dimanche prochain. Et on réattaquera du coup le mardi 21. Donc le samedi, c'est 3 euros. Donc je mets 13,50 euros dans ce défi. Hop. Voilà, comme ça, j'en ai fini. Donc 13,50 euros. Qu'est-ce qu'on va venir faire Ouais, ben écoutez, on va mettre le billet plus la monnaie. Donc là, je sais pas si... Non, celui-là, c'est pas celui-là. Donc, il est ici, celui-ci. Ouais, encore une fois, je suis en bas. Voilà, on adore. Alors, défi du calendrier. Il va falloir que je vienne faire des échanges. Parce que j'ai trop de monnaie. Donc, alors, 10... 13,50. Voilà. Pour ça. Hop là. 13,50 € dans celui-ci. Ok. Donc 13,50. Ensuite, le défi de la Sainte-Patrick. On va venir mettre. Alors. 1,50. 3. 4,50. 4,50. Alors attendez. 1,50 plus 1,50 plus 1,50. Ça fait 4,50 plus 1,50. Ça fait 6. Donc on va venir mettre 6 euros là-dedans. Donc 6 euros. On va les prendre en petite monnaie. 3. Euh, 4 et 2, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Donc, celui-là, est-ce que j'avais une pochette pour ça? Difficile, normalement, oui, défi mars, là. Parce que tout le reste, j'avais mis des billets. Hop, donc 6 euros dans cette enveloppe. Ça, c'est bon. Donc, plus 6. Désolée, je note en même temps sur le côté. Ensuite, on va venir voir le défi du Monopoly. Hop, donc là, 5. La dernière fois, apparemment, j'avais fait un double et j'ai pas rejoué. Donc, merci pour celles qui ont vu. Mais du coup, bah, tant pis pour moi. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Ouf. Oula. Une grosse case, dis donc. J'épargne 10 euros. J'épargne 10 euros. Bah, je vais être obligée de mettre mes deux billets de 5. Ou alors, je mets un billet de 5 et 5 euros en monnaie. Ouais, je vais faire ça. Je viendrai récupérer mon billet de 5 là que j'ai mis. Donc, un billet de 5. C'est rare, enfin, c'est rare que je tombe sur des, ouais, des gros là. C'était en janvier que j'avais mis 10 euros. Donc, hop. Et 5 euros. Parfait. Donc là, on a mis mars, semaine 3, plus 10. Donc, on est donc à 125.
Parfait. Il va enfin un petit peu monter celui-ci. Donc voilà pour les petits défis que je voulais faire. On va faire le défi 2 euros parce que je voudrais qu'il augmente puisqu'il va, ça va pour mon Apple Watch. Moins 1. Donc bien sûr, évidemment, il ne me reste pas grand-chose. J'avais plein de pièces de 2 et j'ai plus rien. Comment ça se fait? J'en avais plein. J'ai pas tout mis dans les défis quand même. Si. Ah ouais. J'ai mis où? Défi 2 euros, non. Défi calendrier, ouais, j'en ai plein ici. Enfin, je viens les chercher. Ah bah si, j'ai tout mis en fait. Ok. Ça part hyper vite les petites pièces. Hein. Donc là, du coup, bah, il me reste que 2 pièces de 2 euros. Ouais, c'est ça. Donc on va venir les placer dans le défi 2 euros. Hop. Donc 1 et 2, ça fait 4 euros. Donc mars, va falloir que je vienne remonter mes trackers. Semaine 3. Ah, j'en ai pas mis à semaine 2. 4 euros. On est à 206. Bon, je suis loin de mes 300 euros, hein, mais c'est pas grave, je suis pas pressée. Donc là, on met les euros dans la pochette. Voilà. Je me suis trompée, je me disais aussi. Je les ai mis dans la mauvaise pochette. Donc 4 euros, ça va ici. Voilà. Donc on est bon pour les petits défis. On va venir mettre notre petit billet de 5 euros, puisque j'en ai qu'un. Bon, normalement j'en ai plusieurs, hein, mais bon, je viendrai les récupérer. Donc mars, semaine 3, plus 5. On est à 355. Voilà. Évidemment, j'ai pas noté sur mon petit truc qu'est-ce que j'avais fait. Bon, bref, c'est pas grave. Hop, voilà pour ça. Et du coup, il nous reste le défi d'or. Je vais voir si je peux peut-être mettre... Ah oui, j'ai. Faut que je regarde le défi 2023 où j'en suis. Parce que j'ai rien mis au mois de mars. Donc, je vais mettre peut-être les 3 euros. 1, 2 et 3. Oui, parce que comme j'ai rien mis au mois de mars... On va arrêter de déconner, les gars. Hein. Donc, 3. Mars. Semaine 3. Plus 3. Il restera 20 euros à mettre, du coup. Ouais, c'est ça. Donc là, on est à 49. Hop. Voilà. Parfait. Comme ça, ça, c'est bon. Je ne suis pas trop en retard. On va faire le défi d'or. Puisqu'il ne nous reste que de la monnaie. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Hop, alors, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 euro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 euros, 2, 4, 6, 8, 10, 3 euros, 2, 3, 4, 5, 3 euros 50. On va venir, on va peut-être remonter les mots. Là, j'ai 3,50, plus 3,40, plus... 1,60 plus 2,30. On est à 10,80 €. Donc, je vais venir enlever tout ça. Hop, voilà. Et on va faire moins 9,10 €. Il nous reste 1,70 €. 1,70 €, il est là. Parfait. Hop, hop. Donc, du coup, là, pareil, j'ai toujours pas effacé. Donc, mars, semaine 3, on a dit qu'on avait mis, eh bien, je sais plus, 3,50. Donc, plus 3,50. On est à 93,70 plus 3,50. 97,20. On est bientôt à 20 euros, donc ça, à 100 euros, pardon. Donc, ça, c'est trop cool. 97,20 €. On est pas mal. Donc voilà pour les défis. Ça y est, je perds la voix. J'ai tout rempli. Je voulais remplir un petit peu le 52 semaines. Mais bon, voilà, vu qu'il me restait un petit peu de monnaie, j'allais pas mettre dedans. Donc on verra la semaine prochaine. Voilà pour ça.
on va venir ici. Mais bon, de toute façon, je n'ai pas calculé. On a mis 3,50 dans le défi d'or. Et du coup, ça fait qu'on a mis... Hop. 45 moins 3,50. 41,50. Ah ben, comme la semaine dernière. Non, ça peut... Si, si, c'est ça. Si, parce que j'ai mis plus là. Comment c'est possible? Si, si, c'est possible. Donc voilà. J'ai fait une économie de 45 euros ce mois-ci. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'espère qu'on fera mieux la semaine prochaine. On verra. On verra, on verra. Il faut que je refasse un petit peu de courses. Donc on verra bien. Voilà un petit peu pour les économies de cette semaine. Hop, ça, je viendrai les ranger dans ma tirelire et je viendrai faire des échanges au fur et à mesure de mon remplissage. Voilà pour le bilan de la troisième semaine. Je suis désolée si la vidéo a été un petit peu cafouillie. J'espère que vous avez fait des économies. N'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. Et n'hésitez pas également à regarder tous mes petits bons plans, on va dire, qu'il y a en barre d'infos, notamment Joco, je vous en ai parlé la semaine dernière. Vous avez également mon code parrainage pour Boursorama Banque. D'ailleurs, en parlant de ça... je vous avais dit que j'avais ouvert un compte pour mon chéri et que ça prenait énormément de temps, mais en fait je me suis trompée. Quand j'ai ouvert son compte, j'ai mis mon numéro de téléphone et mon adresse mail, alors que quand on ouvre un compte Boursorama, il y a une adresse mail et un numéro de téléphone par compte. Donc c'est pour ça que ça a mis du temps. Donc il fallait que je fasse une lettre datée, signée, avec des justificatifs, etc., pour changer son numéro de téléphone et son adresse mail. Donc là, c'est en cours de traitement. Ça a pris énormément de temps, mais c'est moi qui a fait l'erreur, donc forcément, je suis un peu dégoûtée, mais bon, on verra ce que ça donne prochainement. En tout cas, il a déjà reçu sa carte, etc., mais il lui manque juste les identifiants pour se connecter à son compte bancaire. Voilà, allez, sur ce, j'arrête de blablater. Je vous laisse là pour cette fin de vidéo et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le nouveau bilan, enfin pour le bilan de la quatrième semaine. Et dans la semaine sûrement pour de nouvelles vidéos. Donc je vous fais des bisous.